qui sera cet autre talent à oser tenter sa chance? Je m'appelle Bukonka Dongoliliti Edmi, mon nom d'artiste est Edli. J'ai 22 ans, je suis centrafricaine et j'étudie pour le moment, j'ai obtenu ma licence en sciences de gestion. À qui dois-tu ta participation à cette troisième saison? Je dois cette participation à mes deux grands frères, Judika et les gens de Dieu, qui m'ont soutenue, qui m'ont inscrite. Puis je suis là aujourd'hui. Quel est ton objectif en venant à The Voice? C'est exprimer le talent que j'ai, c'est ajouter une couleur à la musique de mon pays, la Centrafrique, et c'est rendre mes parents fiers de ce que je fais depuis longtemps. Et puis tu as envie aussi de donner à tous ces jeunes talents de Centrafrique, je les connais bien, leur dire que c'est possible, regardez, je suis là, vous pouvez vous aussi. Après mon passage à The Voice, j'espère que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Centrafricains viendront représenter le pays. Et puis tu as un autre objectif, c'est de venger ton frère. Évidemment. Explique-toi pourquoi. Il n'est pas allé loin dans la compétition et moi je veux aller loin. Je veux aller loin pour lui dire, grand frère, tu ne l'as pas fait, mais moi aujourd'hui je le fais. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Claudie. Monter sur scène ce soir, en tout cas, c'est stressant, mais je dois le faire. Parce que un rêve qui est devenu réalité, et cette réalité, je dois la vivre aujourd'hui. Je dois surpasser ma peur et tout pour donner le meilleur de moi et montrer que j'ai vraiment du talent. Je suis la bella, je reviens vers toi. Tu me dis que c'est trop tard. Je suis pondérant. Je vais pas mentir, je le somme. Faut calmer ton cœur, pardon. Ça les mots qui blessent, c'est trop. Vas-y doucement, pardon. Tout ce temps, je recollais. Ah non, non, faut pas passer. Ah non, non, faut pas bomber. Comment on va faire? Je règle tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? On contrôle le cartel, cherche à l'oseille qui m'appelle. La confiance, ça se gagne. Fais-moi montrer que t'es dans le bail. J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec mes lossas. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec tes lossas. Centrafricaine, elle voulait venger son frère. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien, merci. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Edli. Et tu viens de quel pays? Je viens de la Centrafrique. En tout cas, très belle prestation. Merci. Tu m'as fait danser sur mon siège. Mais j'ai comme l'impression que le titre que tu as choisi, c'était pas celui qui te correspondait. Ça n'a pas laissé place à ta voix. Ça t'a pas laissé... J'ai l'impression que tu as eu du mal à t'exprimer. Ça se voit, tu sais faire plein de choses, mais tu n'as pas pu nous les montrer. Je pense que le problème, c'est dû au choix de la musique. Mais en tout cas, voilà, même si personne ne s'est retourné ce soir, la musique, c'est un travail qui est très long, très dur. Alors accroche-toi, il ne faut pas perdre espoir. Et j'espère que tu seras là l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, moi, je te dirais, tu as une jolie brèche. T'es souriante comme tout. La joie de vivre, le bonheur sur ton visage. Déjà,
tu passes l'émotion, tu donnes la joie. Même si le titre ne t'a pas permis de faire des choses extraordinaires pour nous épater, mais on a senti qu'il y avait une personne qui chantait juste. Elle essayait de chanter avec le titre qu'on lui a donné. Mmh. Et puis donc, moi, je t'apprécie en tant que chanteuse, même si je ne me suis pas retournée. Courage, peut-être que l'année prochaine, on sera ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton magnifique sourire. Tu es lumineuse, tu prends du plaisir à chanter, même si ça manque un peu de muscles. Je pense que dans quelques années, si tu travailles un peu, ben on aura certainement l'occasion de te retrouver dans une autre saison de The Voice. Merci en tout cas pour ton sourire. Merci à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? J'ai bien, merci. J'ai entendu beaucoup d'énergie dans la voix, mais je pense qu'il faudra aussi mettre beaucoup d'énergie dans le travail de votre voix. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider, en tout cas. Ouais. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bon courage, à la prochaine. Que de conseils avisés pour Elvie. Pour elle, la prochaine fois sera peut-être la bonne. Elvie a participé. C'est une belle énergie. Maintenant, accueillons-la pour recueillir ses impressions. Elvie, bon, oh, ma petite sœur. J'ai pas pu. Ma petite sœur. J'ai pas pu. Attends, tu n'as pas pleuré sur scène? Non. Tu n'as pas pleuré là, maintenant. Bon.